Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais ouvrir cette boîte de 36 boosters de jeu de l'édition Meurtre au manoir Karloff, une édition sortie le 9 février 2024 et donc ça y est, il y a un nouveau format de booster sur cette nouvelle édition, ce sont les boosters de jeu. Alors tout simplement, ils remplacent les boosters de draft, c'est un mélange entre les boosters de draft et les boosters d'extension. Avant on avait 36 boosters de draft et souvent des boîtes de 30 boosters d'extension, maintenant il n'y a plus qu'une boîte de 36 boosters de jeu qui contiennent un peu le mélange des deux, c'est-à-dire qu'il y a toujours le même nombre de cartes. Il y a aussi une carte foil dans chaque, voilà, carte premium garantie dans tous les boosters. Donc ça c'est pas mal, ça fait un peu comme les boosters d'extension. Vous avez la possibilité d'une hard card ou la possibilité d'une carte The List. Donc il y a quand même pas mal de possibilités. Alors je sais pas si vous avez vu l'ouverture de mon bundle, j'ai eu 9 boosters de jeu, j'ai pas eu une seule carte The List. Hein. Alors je crois que maintenant les probabilités sont de 1 tous les 8 boosters. Et là, ça n'a pas été le cas. Alors justement, avec une boîte entière, eh ben, on va voir ce que ça va donner. Et je sais pas, c'est vraiment, c'est tout nouveau. Est-ce que ce produit vaut le coup ou pas? Écoutez, je vais tout vous dire. Alors, je vais faire comme d'habitude. Hein. Je vais ouvrir les boosters un par un. Et on va essayer de... Hop, de... Je vais essayer de présenter les cartes. Un minimum sympa. Alors, en sachant que ça reprend les... dans les boosters d'extension, à l'époque, les amis, on avait des cartes communes ou peu communes. Enfin, au début, c'était surtout des communes. C'était surtout... c'était aléatoire, je veux dire, dans les boosters d'extension, les boosters de draft, c'est surtout des communes. Donc, ça reprend un peu l'ordre des boosters de draft. Allez, Crocodelphe Incognito. Chien viscéral menaçant. Suspect potentiel. Fantôme défenestré. Automate sanitaire. Technicien de gadget. Bou contre l'humanité. Spécialiste des sorties, vous voyez, on a d'abord les communes, après les peu communes, affaire de la preuve chippée, affaire du jardin piétiné, on a des fois des cartes extra, ah bah là il y a quatre cartes peu communes, familier du forum, charme de l'archidruide en rare, ok, en foil, une commune au travail, un terrain, bon, sans plus, et un jeton. C'est pour ça que là je me dis, je vais décaler légèrement comme ça on va aller voir mieux, je me dis que les jetons ils vont être compliqués à avoir, parce que vous n'en avez pas dans tous les boosters. Donc là, ça va être... je n'ai même pas recompté les boosters. D'habitude, je le fais tout le temps. J'aime pas tomber sur des boîtes 11, 12. Donc ça fait 3 piles de 12. Donc là, hop, on est dedans. Sur les 36. Là, il y en a 12. Et la dernière pile... 12 également. Donc c'est bien ça. C'est bien 36 boosters. Moi, ça règle savoir le nombre. Puis dedans, il y avait ce petit dépliant. Allez hop, booster suivant avec Fripouille Frappé. Informateur des tunnels. Pisteur de la basilique. Poisson leurre. Ah, enfin une carte extra. Entrave improvisée. Alors bon, si je l'ai déjà eu, je crois que je l'ai déjà eu dans le bundle. Arrivée propice. Vaurien galant. Vampire buveuse de volute. Investigateur trop zélé, équipeur de l'agence, il y en a 4 là, de peu commune, présumé mort, enquêteuse sur homicide en rare, ah c'est une rare extra, je vois le numéro 343, ok, on va la mettre ici, fureteur vengeur en commune foil, marais, et détective en jeton. Alors par contre, je ne sais pas si vous avez vu l'ouverture de mon bundle, j'ai pas été gâté d'un point de vue foil. Alors effectivement, il y en a dans tous les boosters, mais d'un point de vue foil, j'ai vu que des communes et peu communes, il me semble. Alors, je ne suis pas revenu dessus, mais c'était pas folichon. Diligence raisonnable. Oula. Inspecteur du projecteur. Panthère topter. Topière. Récidiviste. Enjambeur des tombes. Loupe. Témoin de granit. J'avais vu quand même plus de cartes extra dans les boosters de jeu du bundle. L'éliminatrice de la citraine. Dévoiler le coupable. Préfet à la surveillance. Et là, en rare, alors là, j'ai eu... Ouais, il y en a eu plus de communes ce coup-ci. Bon, ok. Affaire du squelette caché en rare. J'en ai deux de rare. Ah bah d'accord. Affaire de la pulsation pourpre. Bon, ok. Une peu commune foil en vol de faille. Un terrain foil. Alors, ces terrains-là, de toute façon, ils sont tous dans le bundle. Et un jeton araignée. Ok, bon. Le jeton, je vais le mettre là. Je vais inverser. On va faire comme ça. Bon, après, tout ce qui est, je dirais, terrain, moi, je suis, voilà, vu que dans le bundle, vous avez 15 exemplaires de tous les terrains en version normale et version foil, bon, après, là, c'est du plus, quoi. Inspecteur, postulant, c'est surtout pour créer son deck. Fabricant de masques de gobelins,
double raisonnable, dissident des éboulis, tranché depuis les ombres. Ah, une autre carte. Exiger les réponses en extra, ok. Préposé au contrôle des foules. Cadavre curieux, un peu commune, clé à molette. Messagère discrète. Poignard, ok. Ah, une mythique des tisseuses de conspiration. Ah, j'ai pas préparé les pochettes, mais je les mettrai après la vidéo. Alors, bon, celle-là, elle est que quelques euros, c'est pas non plus, c'est pas grandiose, hein. J'aurais aimé avoir plus, mais bon, voilà. Bon, ah, c'est comme ça, c'est toujours une mythique, c'est la première mythique. Sans dans cette édition, il n'y a pas forcément des super cartes, hein. Répression mordante de la criminalité en commune foil, terrain île, et esprit. Alors, j'ai que des jetons pour l'instant, c'est à se demander s'il va y avoir des cartes de liste. Alors, c'est assez étonnant. Ou des hard cards, parce que je sais pas si vous avez vu mon ouverture du bundle, j'avais que des hard cards, j'en ai eu 4 ou 5 je crois. Reconstitution macabre, garde de nuit du musée, orang-outan fléau des rouages, oreille indiscrète l'oxodon, avenue publique, fouineur fairy. Alors après le but aussi c'est d'avoir un grand nombre de cartes différentes en tant que collectionneur pour compléter au maximum la collection, casquette de cogitation, débilitation de l'âme, un peu commune extra. Duo sensu visqueuse, linge sage mugissant, un terrain quartier commercial, je prends toujours les terrains, analyser le pollen, deux rares dans le même booster, c'est plutôt pas mal. Alors, analyser le pollen, c'est, ouais, je me suis noté, c'est quelques euros, bon après, hop, qu'est-ce que j'ai, une commune foil homicide, j'ai joué pas mal avec celle-là, montagne, et ah bah voilà, une hard card, la première hard card les amis. Je vais la mettre ici. Ou bon, ici, il y a peu de chances que j'ai une mythique folle. Bon, ça peut arriver. Mais voilà. Alors, ce que je ferai, les amis, comme d'habitude, je vous ferai une vidéo d'analyse et de stats, hein, où je vous donnerai la rentabilité du produit, la valeur des cartes et le nombre de cartes obtenues, couleur par couleur, sur le nombre total de l'édition. Ça me permettra d'avoir une idée sur l'intérêt de ce produit. Assaillant de Ruelle, Crimonologue Bentic, à vous de jouer. Fanfaron des éboulis, Sauveur sanguin. Forcément, là, je vais exploser les communes, hein, forcément. C'est comme les boosters de draft. Rage félonieuse. Tunnel des... Oups. Tunnel d'évasion. Contraint à tuer. Embusqueur des ponceaux. La main dans le sang. Flamber le témoin. Écrabouilleur bourdonnant de Krenko, en rare. Commune foil, accusation dramatique. Un terrain, clé pleine. Et un jeton plante. Donc voilà, pour l'instant ça démarre mollement, on va dire. Je dirais que c'est pas forcément grandiose. Alors, on va continuer. Comme vous pouvez le voir d'un point de vue folle, je suis pas très gâté. Allez, on continue. Jardinière inquiète. Mortipède de ferme à putréfaction. Investigateur champion. Consultante aguerrie. Choc. Force fanatique. Homicide, derrière le masque, hélice d'éclair, collecteur d'échantillons, défenseur du clan Bolrak, analyse des éclaboussures de sang en rare. Bon, je sais pas si. Analyse des éclaboussures de sang. Non, je me la suis pas notée celle-là. Bon. Après, qu'est-ce qu'on a à faire, des masques brûlants, un peu comme une feuille. Bon, toujours une. Ah bah voilà, premier terrain textless, ils sont tous dans le bundle, hein, les amis, et une carte publicitaire qui ne sert à rien. Ok, je mets de côté. Allez, on continue. Avec alibi en béton, analyse de toxines, analyste désabusé, vigilant de Asda, promeneur de chiens, la chasse est ouverte, répression mordante de la criminalité, chuchoteur des haies, ça ne colle pas en peu commune, extra, ok, j'en ai pas beaucoup hein, pour l'instant, chercheuse criminalistique, savoir doppelganger, ganger, en rare, ah, réunir les protagonistes, c'est une rare extra, elle est très sympa, elle est très belle, une rare foil perdue dans le labyrinthe, je crois que celle-là, elle est plutôt pas mal. Alors, je sais pas si je me la suis notée. En bleu, non. Non, non. Bon, bah, ok. Un terrain classique. Et une hard card. Une nouvelle hard card. Donc, deuxième hard card. Mais toujours pas de cartes The List, les amis. Après 8 boosters, hein, quand même. Donc, c'est bien.
Crocodelphe incognito. Suspect potentiel. Confiscation cérébrale. Fripouille frappée. Avenue publique. Obtenir des aveux. Sacoche d'enquêteur. Question percutante. Ah. Boulevari Ourvari. Un peu commune. Putre sangu. Serviteur barbelé en rare. Oh, ça y est, une extra foil. Elles sont belles, hein. Une commune extra foil sortie non autorisée. C'est très très belle cette commune extra foil. Et là, ah bah, c'est une carte de liste ça. Ouais, mais alors ça doit être du Kaladesh. Une commune Kaladesh. Metal Spinners. Puzzle Knot. Ouais, c'est pas terrible, hein. Bon, ok, il n'y a rien de spécial. Elle est à cet emplacement-là, je suis un peu étonné. Une île foil et une nouvelle art card. Cette fois, elle est signée, celle-là. Bon, une art card signée. Une carte de liste, bon, pas très intéressante. Voilà. Pour l'instant, c'est pas... j'ai pas l'impression que ça soit grandiose, les amis. Hein. Allez, informatrice. Choisissez votre poison. Médecin légiste de l'agence. Détonation suspecte. Sortie non autorisée. Ah bah je l'ai eu en version foil le booster d'avant. Ah, c'est marrant ça. Galvanisé. Au travail. Force jeu drone harcelé. Agitation, dérangement. Appeler un témoin surprise. Contretemps soudain. Dissimulation mortelle en rare. Commune foil, détonation suspect. Un terrain Texas forêt. Et. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Bon bah ça ira dans la collection. À mon avis, c'est encore des jetons. Allez, 11e booster. Donc pour l'instant, pas grand-chose, juste une mythique à noter. Une mythique pas non plus extraordinaire. Élucideuse d'affaires non élucidées. Traqueuse griffe note. Informateur des tunnels. Pisteur de la basilique. Délinquance en cavale. Balance louche. Ils sont partis par là. Accusation dramatique enterrée dans le jardin. Épave déchets. Fini les mensonges. Yarus rugissement des dieux anciens. En commune foil chien viscéral menaçant. Il. Et indice en jeton. Bon, ok. Alors, on va arriver au tir de cette boîte. 12e booster. Pour l'instant, c'est pas exceptionnel. Farfadette anticrime, ça me paraît pas exceptionnel. Hein. Fantôme défenestré. Inspectrice de Vitugazi. Agente sans scrupules. Exiger des réponses, monstruosité jaillisseuse de faille, vaurien galant, affaire du faucon subtilisé, arme dissimulée, silhouette à la craie, factorum clandestin, Ezrim, chef d'agence en rare, silhouette à la craie en commune foil, terrain, et une nouvelle carte art card. Par contre, les art cards sont moins dures, les amis, elles sont moins épaisses. Ah, ils ont dû les faire moins épaisses pour que ça coûte moins cher en papier. Mais elles sont moins cartonnées, en tout cas, que celles des autres éditions. Allez, on tape maintenant le deuxième tiers, les amis. J'ai tourné, c'est vrai que... Allez, c'est parti. Farfadette anti-crime. Ah, je vais peut-être accélérer, parce qu'il va y avoir beaucoup de cartes en double. Hein. Fantôme des deux fenestrés. Inspective de Vitugazi. Agente sans scrupule, technicien de gadget. La chasse est ouverte en commune, extra... Monstruosité jaillisseuse de faille, poids d'épreuve, envol de faille. Hop, une autre extra. La massue absoluteur, fini les mensonges. Audience avec Trostani. Comme une fois, choisissez votre poison, un terrain. Et oh, une autre carte signée. Alors, c'est la deuxième hein, quand même. Hein. Donc, comme il n'y en a déjà pas dans tous les boosters, mais en 13 boosters, ça m'en fait deux. Allez, hop. Passant innocent. Fantôme, veille marché, contrebandier à bulle, furteur vengeur, entrave improvisée, boue contre l'humanité, fouineur fairy, complication mortelle, barre de fer, tracker vengeur, factotum clandestin, déchiffreur de code fugitif, une rare rouge, ok. Tracker vengeur, un peu comme une foil, bon, pleine, et un nouvel art card, elle est très belle celle-là. Une très très belle arcade. Bon, voilà, on continue la petite aventure. Alors, j'ai peut-être eu un petit truc, je me suis pas rendu compte, hein, les amis. C'est vrai que là, il y en a un peu de partout. Chien de viscéral menaçant, choc, diligence raisonnable, inspecteur du projecteur, déduire, galvaniser,
Avenue publique, question percutante. Pas de ça avec moi. Ragot de la rue d'Étain. Enquêteuse sur homicide en rare. Ah, justificatrice d'Aurélia en mythique. Donc c'est ma deuxième mythique. Et elle est pas mieux que la première. C'est Delnay, la blanche, qui est super cotée. Celle-là, bon... c'est pas grandiose. Bon, deux mythiques, pas grandiose. Bah écoutez, c'est comme ça. Élucideuse d'affaires non élucidées en commune foil. Terrain textless foil, il et un jeton indice. Bon, ok, deux mythiques, pas grand-chose. Ouais, je suis un peu circonspect sur cette nouvelle édition. Allez, hop. Oreille indiscrète, l'oxodon. Reconstitution macabre, garde nuit du musée. Orang-outan fléau des rouages. Préposé au contrôle des foules. Force fanatique. En extra, fer du faucon, subtilisé. Arme dissimulée. Branche de vitugazi. Archive méticuleuse, un nouveau terrain. Rare. Analyse des éclaboussures de sang. Des fois, il y a deux rares hein, dans les boosters, vous voyez. Traqueuse griffnote en commune foil. Ah, Laid to Rest. C'est une carte. Alors, je sais pas si c'est Knight, Chevalier versus Dragon, ou un truc comme ça. Non, je vois où c'est une chauve-souris. Alors, je sais plus du tout. Bon, c'est une réédition The List en peu commune. Je suis pas sûr que. Bon, après, il peut y avoir des choses sympas. Il est indice. Mais voilà, deuxième carte The List. C'est une peu commune. Alors après, il me semble que c'est des decks. Ouais, à voir. Criminologue Mantique, je vous dirai tout dans la vidéo d'analyse de stade, bien sûr. Panthère, taupière. Mortipède de ferme à putréfaction. Consulante aguerrie. Farfaron des éboulis. Enjambeur des tombes. Témoin de granit. Dragon de rouage étincelant. Peu commune extra. Allez hop. Affaire des masques brûlants. Silhouette à la craie. Cessation mise en demeure. Trophée de l'assassin en rare. En commune foil, agent sans scrupule. Beaucoup de commune foil. Hein. Il en textless et squelette en jeton. Bon. Ok, il m'en reste combien des boosters, les amis? 7. Allez. C'est la moitié de cette boîte, le 18e booster. Il m'en reste 7 dans cette deuxième tiers. Dissident des éboulis, analyse de toxines, j'ai pas vu celle-là, analyse des abusés, inspecteur postulant, automate sanitaire, balance louche, promeneur de chien, œil de privé, mourois buveur nocturne, interrogatrice persuasive, lieu du crime, férox de fléau d'âge, en rare, en commune foil, panthère taupière, pleine, et bon, ok. Une carte publicitaire que je mets là. Donc on arrive à la moitié de cette boîte. Bon, pour l'instant, le petit constat, deux mythiques, moyenne. J'ai eu deux rares extra, ok. Cette fois, j'ai eu pas mal de jetons comparés au bundle. Deux hardcards signés. Deux cartes de liste. Les cartes foil, j'ai eu perdu dans le labyrinthe une rare bleue foil, mais je suis pas sûr que ça soit super intéressant. Bon, c'est moyen. Hein. Poisson leurre, jardinière inquiète, récidiviste, double raisonnable, à vous de jouer. Exiger des réponses, ils sont partis par là. Accusation dramatique, je crois que j'ai déjà eu celle-là. Claquet, crawl. Éliminer l'impossible. Affaire du baiser de la gorgone. Quel âne prodige curieux en rare. Alors, c'est vrai qu'il y a des rares multicolores qui sont plutôt sympas. C'est, je pense, à l'inlay du pacte des guildes. Bon, celle-là, je ne me la suis pas notée, celle-là. Donc, je ne pense pas que ça soit grandiose. Orbe polygraphe, un peu comme une foil. Un terrain foil, bon, ils sont tous dans le bundle, et une art card. Ouais, c'est vrai que si vous achetez le bundle, vous avez toutes les versions de tous les terrains en version normale et en version foil. Allez, on continue. Fabricant de masques gobelins, alibi en béton, assaillant de ruelles, investigateur champion au travail, tunnel d'évasion, rage félonieuse, extrémiste de la ceinture de verdure, essence d'antiquité, courte échelle, mur du sanctuaire, gardien de la porte inflexible en rare. Ah, Cryptex, une rare foil. Cryptex, c'est ok, c'est une rare foil. Ah bah écoutez, hop, je la mets ici. Montagne en terrain textless et une art card. Beaucoup d'art card quand même hein, cette fois. Et ouais. Après, forcément, avec 36 boosters, ça va s'équilibrer. Au niveau des trouvailles, traqueuse, griffnote, furteur vengeur, délinquante en cavale, médecin légiste de l'agence, galvanisé, sortie non autorisée,
Répression mordante de la criminalité, sentinelle de Sumala, cible pratique, gigot de Crovod. Oh, ruelle sombre, une extra, elle est très très belle. Elle est superbe celle-là, ruelle sombre. Un rare en plus, Judith connaisseuse en carnage, une commu-folle sortie non autorisée, marais et limon en jeton. Bon, mais quand même, c'est la troisième carte rare extra que j'ai. J'ai eu deux rares foils aussi, c'est quand même à souligner. Voilà, c'est les petits trésors, élucideuse d'affaires non élucidées, informatrice. Donc là, il va y avoir beaucoup de doubles. Inspectrice de Vitugazi, c'est confiscation cérébrale, casquette de cognition. Cogitation, obtenir des aveux. Bon, je vais passer vite. Hein. Hop, curieuse enquête, auditrice des dossiers. Isoni, centre de la toile. Ah, je vous en ai parlé, non? Je vous en ai pas parlé, je crois que c'est la deuxième rare mieux cotée dans les multicolores. Mais bon, c'est quelques euros, c'est pas grand-chose. Contrebande diabule en commune foil. Montagne foil. Et ensuite, on a une carte publicitaire. Bon, encore deux boosters dans ce deuxième tiers. J'aurais aimé avoir un peu plus de mythiques. Minimum 3, généralement, ça peut aller jusqu'à 7. Mais j'ai eu des fois des boîtes de boosters d'extension qui étaient terribles. Allez, hop, contrebande diabule. Fantôme mail marché. Je les ai déjà eu. Hein. Ah, le masque. Homicide. Ah, en version extra. Ok. C'est une de plus, la chasse est ouverte. Hop, chien de garde Karloff, tisseuse de reflets, enquêteuse Vojek, en rare. Une autre rare, reconstituer le crime, c'est bien. Pour la collection, c'est pas mal. Jeune fineur en peu commune extra foil. Ok, je la mets ici, marais en terrain. Et ce jeton encore ici, je l'ai eu deux fois. C'est la deuxième fois. Allez, 24e booster, on termine le deuxième tiers, les amis, de cette ouverture. Agente sans scrupule, détonation suspect, farfadette anti-crime, voilà, sauveur sanguin, réduire, tamanoir magnétique en peu commune extra, ok, une nouvelle, romancière d'histoire criminelle, je crois que c'est la peau commune la plus recherchée celle-là, oula, ça va tout va tomber, ouais, bon, je vais les remettre droite parce que là, là, sinon, en fait, mon souci, c'est que la pile des communes est beaucoup plus grosse que d'habitude. Sans fleurs florissant. Ah, intrusion d'esprit. Une autre mythique bleue. Elle est moins bien que l'autre. Bon, bah, j'ai les deux mythiques bleues, mais celle-là est moins bien que l'autre. Donc, pour l'instant, c'est pas grandiose. Hein. Sentinelle de Sumala, un peu comme une foil. C'est que quelques euros. Ah, une carte The List. Bishop of the Bloodstained. Alors, ça, c'est Ixalan, je crois. Et c'est une peu commune. Bon. Allez, je suis pas sûr que ça vaille grand-chose. Et une hard card. Ouais, ils sont vachement moins épaisses, hein, ce que je vous dis, les hard cards. Donc voilà, j'ai fini les deuxièmes tiers. On attaque le troisième tiers, 25e booster. Bon, j'en suis à 3 cartes de liste en 24 C1, toutes les 8. C'est bien ça. Passant innocent. Et j'en ai pas eu dans le bundle, mais c'est le hasard. Hein. Allez, hop. Loop. Tranché depuis les ombres. Témoin de granit. Jongleur Rune Brandon. Ok. Pousser, tirer. Ah, morgue souterraine, un autre terrain. C'est plutôt pas mal pour la collection. Niv Mizzet, le pacte des guildes. Je sais pas celle-là si elle vaut le coup ou pas. Non, je suis pas noté, donc je pense pas. Diligence raisonnable en commune foil, un terrain classique et une hard card. Ok, bon, allez, on continue. Bon là, pour l'instant, l'ouverture, c'est quand même deux rares foils, trois mythiques, mais à quelques euros les mythiques, pas très cotés. Trois cartes de liste, trois rares extra, les amis, pour l'instant. Ça, faudra voir comment les cotations s'adaptent à ce nouveau format de booster de jeu. Arrivée propice, technicien de gadget, engendreur des tombes, escroc acculé, éliminer l'impossible, tracker vengeur, cessation mise en demeure, draguer le canal, comme une foil tranchée depuis les ombres, un terrain textless et un 10 en jeton. Ok, bon, rien de plus. Allez, on continue. Bah, j'aurais aimé quand même avoir une carte sympa, un truc qui sort de l'ordinaire, ou une super extra, une rare, quelque chose, un truc qui est top. Oreille indiscrète, l'oxodon, reconstitution macabre, garde-nuit du musée, hop, derrière le masque, un troll improvisé, automate sanitaire, exterminatrice de preuves. Pas de ça avec moi, je crois que je l'avais déjà eu celle-là, un peu commune, extra, espionne de la voix des brumes, analyse des répercussions, perdu dans le labyrinthe, ah bah j'ai eu la rare foil, voilà la rare. Un peu commune foil, poussé, tiré, ok, un terrain, forêt et une hard card.
Ok, bon, rien de plus. Alors après, il faut voir après avec la démultiplication, parce que effectivement, j'aurais peut-être pas de super cartes, mais peut-être qu'il y a une démultiplication de cartes à 3, 4 euros, peut-être que j'en ai 20 ou 30, je sais pas. Hop, et c'est ça qui va faire peut-être le prix ou pas. A voir, consultante aguerrie, fouineur fairy, déduire en extra, proposer, hop, un meurtrier parmi nous, envol de faé, ragot de la rue d'étain, chute tumultueuse, alors, je sais pas si j'ai pas déjà eu celle-là. Rage selon l'âme du monde, un peu comme une folle défenseur du clan Bolrak, forêt en terrain, Texless Foil et Mécanoptère en jeton. Allez, encore quelques boosters, les amis, combien il en reste? 8 boosters, il reste 8 boosters pour essayer de découvrir un trésor. Après, peut-être que j'ai eu beaucoup de cartes différentes avec cette ouverture, que c'est sympa. Fanfaron des éboulis, dissident des éboulis, analyse de toxines, analyse des abusés, bout contre l'humanité, tunnel d'évasion, sortie non autorisée. Je sais même pas s'il va y avoir toutes les communes. Hein. D'un cône de rouge, j'ai étincelant, orbe polygraphe, libération musclée, Kélan prodige curieux en rare, mythique Vanifar énigme évoluée. Alors c'est une mythique multicolore. Bah c'est pas mieux que les autres, voilà. Après en même temps, c'est pas grandiose dans cette édition. C'est pas mieux que les autres, ok. Bon, choc en commune foil, heal. Et humain en jeton. Bon, j'ai eu 4 mythiques, mais 4 mythiques, je crois. Non, s'il y en a une qui est cotée à plus de 5 euros. Ça va être difficile d'arriver au prix de la boîte. Hein. Les prix ont beaucoup monté, je trouve que... Inspecteur postulant, poisson leurre... Jardinière inquiète, récidiviste, homicide, casquette de communication, cogitation, affaire des masques brûlants, complications mortelles, racines insidieuses, questionnement intérieur, héroïne de la 10e circonscription rare, en commune foil tranchée depuis les ombres, en extra. Ah, Mithrail Plains, ça c'est du. Mince, c'est des rééditions Masters, alors je sais plus quel Master c'est, mais en réédition The List. Bon, c'est une peu commune. Ok, pleine, et le jeton création mystérieuse. Donc c'est la quatrième carte The List, hein, mais en 4 cartes, j'ai eu une commune et 3 peu communes. Pas sûr que ça soit grandiose, même si là c'est une réédition Masters, des fois il peut y avoir des surprises. Doute raisonnable, à vous de jouer. Fabricant de masse gobelin, alibi en béton, sauveur sanguin, ils sont partis par là. Obtenir des aveux, affaire du porte express, affaire du pacte fracassé. Gilles de quartier, branche de Vitugazi. Tirer des conclusions en rat rouge, fanfaron des éboulis comme une foil, montagne en terrain texless et le jeton comme ça. Allez, j'espère les amis. Hein. Bon, j'ai eu 4 mythiques, mais rien de grandiose, quoi, vraiment rien. Assaillant de ruelle, investigateur champion, traqueuse griffnote, fureteur vengeur, au travail en extra, accusation dramatique, force fanatique, peu commune, poids d'épreuve, corde. La massue absoluteur, Brutus au rabais en rare, une autre rare, deux rares, Isonis centre de la toile, ben j'ai déjà eu hein, celle-là, je vous en ai parlé, je l'ai eu aussi déjà, je crois dans cette même boîte, Rage félonieux, ça c'est dommage de les avoir en double pleine, en foil, et ensuite une hard card. Donc ah, c'est dommage d'avoir deux fois la même rare, ça, déjà que c'est compliqué pour la collection, donc ça veut dire que les boîtes sont pas équilibrées si j'ai deux fois la même. Après, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais bon. Délinquante en cavale, médecin légiste de l'agence, élucideuse d'affaires non élucidées, informatrice, inspectrice de Vitugazi, vaurien galant, balance louche, rage félonieuse, jeune fouineur, moi j'ai déjà eu celle-là aussi, mais je sais pas si c'est pas dans le bundle, énigme vivante, lieu du crime, perdu dans le labyrinthe encore, ben, je l'ai eu tout à l'heure et en plus je l'ai eu aussi en version foil. Donc comme je vous dis, là c'est des cartes en double, courte échelle en peu commune foil, un terrain marais et une carte publicitaire. Bon, voilà, c'est pas grandiose, il me reste 3 boosters les amis, effectivement, je suis pas très satisfait de ce produit, il y a eu mieux, j'ai vu mieux. Confiscation cérébrale, passant innocent, contrebandier à bulles, fantôme, voilà, c'est des... Ah, celle-là peut-être, je l'avais pas eu tranché depuis les ombres, preneur de chien, sur un air de jamais plus... Essence d'antiquité, chandelier, et ah, peut-être que j'avais pas eu Fréfa à la surveillance, mémoire et d'éthique de Proft, en rare, automate sanguinaire en commune foil, ouais, j'ai rien eu en foil, c'est à nouveau une catastrophe, indice, en foil, à part deux rares foils, et j'ai eu que des peu communes et des communes, un nombre de communes faramineux, même en extra, j'ai rien eu,
C'est une boîte catastrophique là, les amis, franchement. Alors, je sais pas si c'est tout comme ça, mais cette édition est pas top et son nouveau format, c'est pas terrible. D'avoir autant de cartons doubles, c'est la première fois que je vois ça. Choisissez votre poison, surtout chez des rares agents sans scrupules, détonation suspect, farfa d'être anti-crime, arrivée prospice, je l'ai déjà eu, loop, technicien de gadget, mutation répulsive, débilitation de l'âme, barre de fer, présumé mort, appel de la meneuse de guerre. Bon, ok. Oh, une mythique foil, éventreur de veine. Ouais, mais c'est pas, bah, c'est pas mieux que les autres, hein. Elle est un peu mieux que les autres, hein, en version foil. Bon, ça sauvera pas la boîte, les amis, sur ce coup-là. Ça sauvera pas la boîte. J'ai une montagne et une hard card. Donc, effectivement, une nouvelle mythique. Alors, dernier booster. Mais, ouais, je sais pas. J'ai hâte de faire quand même l'analyse et de vous dire ce que ça représente. Parce que c'est vrai qu'il me semble que les prix ont quand même beaucoup monté, hein, à nouveau. Donc, compliqué. Vigilant de Asda. Crocodile incognito, chien viscéral menaçant, suspect potentiel, fantôme défenestré, la chasse est ouverte, j'ai déjà eu, monstruosité joyeuse de faille, œil de privé, madrouilleur pompeux, c'est le dernier booster, romancière d'histoire criminelle, ça c'est pas mal, labyrinthe de haie en rare, ah j'ai peut-être pas eu celle-là, une autre rare, Krenko, mania de la rue des Tins. Deux rares dans celui-là, une commu foil boue contre l'humanité, un terrain classique et un jeton créature mystérieuse. Donc voilà les amis, bon, je sais pas quoi vous dire. C'était l'ouverture d'une boîte de 36 boosters de jeux dans le nouveau format de la nouvelle édition Manoir Meurtre au Manoir Karloff. Nouvelle édition qui est sortie le 9 février. Donc j'ai eu 5 mythiques dont une mythique foil. Mais enfin, celle-là, elle est mieux que les autres, mieux côté que les autres en version normale. Les autres, bah, c'est pas terrible, quoi, c'est pas terrible. Sinon, il disait qu'il y avait une carte The List tous les 8 boosters. J'en ai eu 4, donc 36 boosters fait tous les 9. J'en avais pas eu dans le bundle, donc en 36 plus 9, ça fait 45 boosters. J'en ai eu que 4, donc ça fait tous les 11 boosters pour moi. Bon, pas de chance. J'ai eu 2 rares foils, alors d'un point de vue foil, c'est une catastrophe. Mais j'ai eu une mythique foil, donc ça rattrape. Sinon, en extra, j'ai eu ces 4 rares extra, j'en ai eu 3. Je les avais eu quasiment depuis quasiment le premier jour de la boîte. Des extras, il y en a quelques-unes où j'ai eu des versions foil, un peu commune en commune, et j'ai eu des doubles. Alors là, je suis surpris, mais j'ai eu des rares en double. Une rare bleue, une rare multicolore en double. J'en ai eu une, la bleue, perdue dans le labyrinthe, j'ai eu en 2 fois en version normale, une fois en version foil. Sinon, dans tous les boosters, il y a bien un terrain. Il y a bien une carte foil dans chaque booster. J'ai eu quand même un grand nombre de jetons, mais je pense que ça va être compliqué d'avoir, s'il y en a plus de 20, de tous les avoir. Et bon, bah maintenant, je vais vous faire l'analyse et les stats de cette ouverture, et vous dire ce que ça représente, le nombre de cartes différentes que j'ai obtenues, et surtout la valeur de cette ouverture vis-à-vis du prix d'achat. Et si je me dis, bon, j'ai vu que dans cette édition, il n'y a pas non plus des super cartes, il n'y en a pas énormément, il suffit de ne pas en avoir. Mais là, maintenant, moi, du extra, j'ai rien eu, hein, je vous dis. Alors, j'irai voir quand même, on ne sait jamais, peut avoir une surprise. Ça, moi, pour moi, c'est pas une super ouverture. Mais ça peut quand même être une bonne surprise, des fois, les analyses, on ne sait pas ce qu'on trouve, on ne sait pas ce qu'on a, et puis en analysant tout, il suffit d'avoir 50 cartes à 1 ou 2 euros, et puis voilà, bah, ça fait vite exploser le bazar. Donc je vous dirai tout dans les jours à venir, dès que j'aurai fait l'analyse. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.